André et son mari sont retraités et font partie des 70 bénéficiaires réguliers de l'association Roulaire. Ça, c'est les tomates du jardin. Ça, c'est ce qu'elle m'a donné Edith. Ça, c'est ce qu'elle m'a donné Edith. Les œufs, c'est ce qu'elle m'a donné Edith. André y fait ses courses deux fois par semaine depuis 2 ans. Mais récemment, l'association a été contrainte de supprimer une journée de distribution, faute de dons alimentaires. Pour moi, c'est bien parce que ça me fait quand même 3-4 jours de course. Quand je prends du sucre à la boutique, je l'ai à 80 centimes, au lieu de 1,55 €. Ça se voit quand même. Conséquence de l'inflation et de la loi anti-gaspillage, les ventes de produits frais proches de leur date de péremption à prix bradé augmentent. Ainsi, les dons faits par le principal fournisseur de l'association sont considérablement réduits. Les fournisseurs vont jusqu'à la limite des dates. Et contrairement à avant, ils nous donnaient avec au moins 48 heures, 72 heures. Et on ne fait plus des gros paniers, mais on diminue les quantités et pour pouvoir donner un petit peu à tout le monde. Les paniers sont réduits de près de 40%. Et face à des prix qui ne cessent d'augmenter, la gérante de l'association se retrouve démunie. On ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir tenir. S'il n'y a pas une amélioration ou si on ne trouve pas soit des subventions ou d'autres fournisseurs. Pour faire un don, il est possible de contacter l'association au 07 84 64 97 58.